c'est pour Soraya que devant vous je m'emploie à sacraliser l'esbrouf. Mais sachez que c'est l'amertume. Ouais. Mais sachez que c'est l'amertume qui remplit mon verre et que c'est le chagrin qui le vide. Le texte, la musique et l'image. Cortès et l'illustratrice Marie Deschamps ont décidé de la jouer collectif pour accorder leur violon sur un projet qui dépasse de loin le stade du simple concert dessiné. Comme un PMU de banlieue périphérique ouvrière. C'est donc un conte illustré qui est proposé sur les textes du chanteur Quentin. L'idée, en fait, c'était que sur scène, on flirte entre le concert, parce que nous, on est quand même un groupe de rock et on tenait à ça, et avoir quelques touches un peu de théâtre, où justement le dessin amènerait des décors, des ambiances, des regards, des positionnements, en fait, sur ce conte un petit peu et sur le monologue de cet homme que j'interprète sur scène. Une création où chaque séquence est millimétrée entre le dessin de Marie Deschamps, la musique et bien sûr la narration. Un travail de précision donc, mais qui laisse aussi une part de liberté à l'illustratrice dans son interprétation. Il y a des phases de plénitude, donc dans ces moments-là, et ça c'est le plaisir que j'ai avec le dessin live, je vais dessiner le même personnage, mais il sera jamais pareil, parce que je serai jamais pareil. Moi je me lève lentement, le silence est à présent pesant. Pour le groupe Cortès et les musiciens, c'est presque un virage à 180 degrés dans l'appréhension de la scène. Un travail méticuleux au service d'une chorégraphie, tout en gardant une fougue propre à la musique rock. Là, l'idée, c'est pas d'abandonner cette énergie, mais c'est de la transposer pour vraiment faire un travail d'équipe et de valorisation aussi de l'image, de la lumière et du son. PMU pour Post-Moderne Utopie, c'est le nom de ce spectacle que quelques privilégiés ont pu découvrir alors que le groupe sortait de résidence à la Nef d'Angoulême. Scéniquement, comment c'était fait avec les écrans partagés des dessins? Chapeau. Moi, j'ai trouvé ça super élaboré et puis très en phase avec, avec cet univers de banlieue périphérique ouvrière. PMU est construit en 4 actes, un spectacle que le groupe devrait pouvoir proposer au public à partir de cet hiver.